Yo, je te conseille de télécharger CrowdScore pour les meilleurs scores de football en direct. Donc il y a plus de 1000 matchs par semaine, discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs. Donc télécharge, les liens sont dans la description et t'inquiète pas, tout est gratuit. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 148 du Zap Images. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité aux images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, des anniversaires, on va commencer par le premier. Donc c'est l'anniversaire de Fabio Quartararo, le portugais qui évolue au Real Madrid, même si on le voit pas beaucoup cette année, parce qu'en fait, voilà, il est souvent remplaçant. Il y a beaucoup de concurrence là-bas. Donc aujourd'hui, il fête ses 29 ans. Donc bon anniversaire à Quartararo. Ensuite, un autre anniversaire, donc cette fois-ci, voilà, ça on peut dire, hein, c'est anniversaire d'une légende, donc c'est Didier Drogba, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de Chelsea. Regardez-le, en plus, il a remporté la Ligue des Champions, la seule Ligue des Champions de Chelsea. Donc aujourd'hui, il fête 39 ans, voilà, Didier Drogba, il a déjà 39 ans, donc bon anniversaire, bien sûr, à Drogba. Ensuite, on va revenir sur ma dernière photo hier que je vous avais postée dans mon Zap Image. Donc tout simplement, je vous avais dit de me dire qui était le footballeur à droite. Donc je l'ai regardé les commentaires et j'étais plutôt étonné parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on trouvait. J'ai cru que ça allait être compliqué, mais en fait, voilà, je vois que vous gérez vraiment. Donc il s'agissait, pour ceux qui savent pas, c'était Pirlo, voilà, l'ancien joueur du Milan AC, de la Juventus. Donc peut-être, je pense, vous avez trouvé grâce à ses yeux, voilà, parce que c'est vrai qu'on voit que les yeux, il y a un petit air, bien sûr. Donc vraiment grand respect à tous ceux qu'on trouvait. Ensuite, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, est élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est en grande partie grâce à son triplé qu'il a mis face au Benfica. Donc Dortmund avait gagné 4-0 face au Benfica, ils sont qualifiés. Donc voilà, Aubameyang a mis 3 buts, donc c'est pour ça, hein, voilà, qu'il est homme, voilà, on va dire homme de la Ligue des Champions, des matchs de cette semaine. Ensuite, on va revenir sur l'histoire des flocages de maillots. Donc vous vous souvenez, hein, quand le PSG a mis 4-0 au Barça, il y en a beaucoup, enfin on va pas dire beaucoup, il y a quelques supporters, voilà, ils ont des petites idées en tête, ils avaient fait tout simplement un flocage. Donc regardez cette photo, PSG 4-0 face au FCB, bien sûr, FC Barcelone. Donc ça, c'était le lendemain, bien sûr, du 4-0. On savait jamais, voilà, que le match retour, il allait être aussi, on peut dire, impitoyable pour le PSG. Donc regardez maintenant, bien sûr, les supporters du Barça, ils ont pris leur revanche. Donc regardez toutes les sortes de maillots, hein, qu'ils ont fait. Donc déjà, voilà, regardez ce supporter là. Donc ça, c'est une photo qui a été prise quand même à Paris. Le gars, le lendemain direct, il a peur, enfin il a floqué son maillot du Barça. Donc remontada 6-1. Donc bien sûr, hein, c'est le score. Donc regardez ce maillot. Donc sinon, il y a des autres, hein. Donc regardez celui-là, Barça PSG 6-1. On voit en tout en bas aussi la date, hein, 8/03/2017. Sinon, regardez aussi ce maillot. Donc lui là, enfin il a floqué Sergio Roberto, donc le dernier buteur, hein, du Barça, celui qui a vraiment donné la qualif, hein, bien sûr, au Barça. Donc 6-1. Et regardez les devant le stade, hein, le Parc des Princes du PSG. Donc voilà quelques photos, hein, bien sûr, on va dire une petite vengeance, hein, des supporters du Barça par rapport à l'histoire des flocages de maillots. Ensuite, on va parler de Nice. Donc hier, il y avait un match avancé. Donc c'était Nice qui recevait Caen. Donc Caen, voilà, il gagnait 2-0, je crois. C'était, il restait 10 minutes. Ils ont fait une petite remontada, je crois, Nice, hein, vu qu'ils ont mis deux buts en fin de match. Mais surtout, regardez la terrible blessure de William Cyprien. Donc ça rappelle un peu la blessure qu'avait eu Kurt Zouma il y a à peu près un an. Donc voilà, il a, je crois, il avait pu jouer au foot au moins pendant 6 mois. Donc là, c'est la même chose, hein, pour William Cyprien. Vraiment, en plus, lui, c'est vraiment un espoir, bien sûr, de l'UGC Nice, et surtout un espoir pour l'équipe de France. Et c'est vraiment dommage, là, je pense que sa saison est finie pour lui. Regardez, voilà, sa jambe droite, enfin surtout son genou, voilà, qui reste vertical. Vraiment bon rétablissement, bien sûr, à Cyprien. Ensuite, on va parler de Marseille, parce que eux aussi, hier soir, ils avaient un match avancé. Donc ils ont gagné 3-0 face à Angers. Donc bonne, voilà, on va dire bonne victoire de Marseille. Mais surtout, regardez les petites banderoles, hein, des supporters marseillais. Donc ne lâche pas le PSG. Une banderole 6-1, rêvant plus grand, a été déployée dans les tribunes du Vélodrome pour chambrer le PSG pour OM Angers. Donc regardez, hein, bien sûr, 6-1, rêvons plus grand. Donc voilà, après, ouais, ils sont contents, bien sûr, je pense, tous les supporters marseillais, vous êtes contents, bien sûr, que le Barça, on peut dire, ont écrasé le PSG. Sinon, regardez aussi cette autre photo. Donc 6-1, c'est la Champions League, papa. Donc vous savez, hein, bien sûr, c'est la musique de MHD, Champions League. Donc voilà, les gars, le petit chambrage, bien sûr, des supporters marseillais envers Paris. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet par rapport à son retour à l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'avait toujours pas dit, voilà, dans les journaux, pourquoi il était revenu, c'était quoi son envie. Et maintenant, on en sait un peu plus. Donc je n'avais plus envie de jouer les derniers rôles en première ligue, je traversais les matchs sans prendre de plaisir. Donc il a dit ça au journal L'Équipe. Donc c'est pour ça, en grande partie, que Payet, il est revenu à Marseille pour essayer de jouer les premiers rôles, même si Marseille, ils sont 5-6e cette année, je pense c'est mort, mais peut-être l'année prochaine, ils vont essayer de viser, pourquoi pas, un podium. Mais voilà, il en avait marre de jouer les derniers rôles en première ligue. Bon, après, la première ligue et la Ligue 1, bien sûr, c'est pas le même niveau. Ensuite, on va parler de la Juventus de Turin, a remporté face à l'AC Milan son 31e match consécutif à domicile en championnat. Vous vous rendez compte, quand même, 31 matchs d'affilée que la Juventus y gagne en championnat. Donc hier, ils ont joué, bien sûr, un match avancé, parce qu'ils jouent mardi en Ligue des Champions, leur match retour, hein, face au FC Porto. Donc ils ont gagné 2-1 face au Milan AC. Donc voilà, bonne performance, hein, bien sûr, de la Juve. Et surtout, regardez l'immense déception de Donnarumma après le penalty encaissé en toute fin de match. Donc il y avait un partout jusqu'à la 94e, je crois, minute. Et la 95e minute, penalty pour la Juventus. Et c'est Dybala, voilà, qui marque le but. Donc ils ont perdu à la 95e minute, comme un peu le PSG.
PSG. Bon, après, bien sûr, c'est pas les mêmes circonstances, on va dire. Mais voilà, vraiment grosse, on va dire, déception du gardien de Milan AC. Ensuite, une déclaration de Neymar. Il a dit les supporters barcelonais doivent rester humbles. Le Barça n'a encore rien gagné. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis tout à fait compréhensible que les supporters du Barça, les gars, vous êtes vraiment archi contents. C'est normal, une remontada comme ça. Personne n'y croyait. Vous l'avez, enfin, le Barça plutôt l'ont fait. Donc il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que le Barça n'a encore rien gagné. Maintenant, ils sont encore. Voilà, il reste encore pas mal de paliers, bien sûr, pour gagner la Ligue des Champions. Et voilà. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison. Donc on voit quand même que Lionel Messi a 11 buts en 7 matchs. Donc vraiment, Lionel Messi, plus d'un but par match, hein, ce qui est énorme. Cavani est dommage, donc 8 buts, 8 matchs. Donc voilà, ce sera la cette saison-là. Il aura fait vraiment un ratio plutôt correct, hein, un but par match. Donc très bien pour Cavani, dommage, c'est fini. Donc ensuite, on va Lewandowski, Aubameyang à 7 buts, 7 matchs. Et pareil pour Lewandowski, ils vont vraiment des ratios de malade. Et regardez sinon Cristiano Ronaldo, 2 buts en 8 matchs. C'est vrai que cette année, il plante pas trop. Il a fait plutôt des passes D, mais voilà, il n'a pas marqué beaucoup de buts. C'est dommage parce que je voulais qu'il passe la barre des 100 buts cette année en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il a 95. Bon, après, bien sûr, ils sont qualifiés pour les quarts. Peut-être bah, ils vont aller en demi et peut-être aller en finale. Donc il aura bien sûr le temps de passer cette barre là. Ensuite, on va aller en Angleterre regarder qui a été élu meilleur joueur du mois de février. Donc ça devait jouer entre Lukaku et Harry Kane. Donc c'est Harry Kane qui a gagné. Donc regardez hein, sa carte. Voilà, il tient bien sûr le trophée meilleur joueur du mois de février et sa carte bien sûr DCE. Donc ça, c'est pour tous ceux bien sûr qui connaissent, enfin qui jouent à FIFA, je pense. Vous devez comprendre. Ensuite, on va parler de Paulo Dybala. A reçu hier son prix de meilleur joueur du mois de février avant Juventus Turin face à l'AC Milan. Donc regardez hein, Dybala, ce qui est totalement mérité parce que déjà pour moi, c'est le meilleur joueur de Serie A, Dybala. Et dans quelques années, voilà, on voit vraiment que lui, il aura le talent, hein, bien sûr, pour gagner le Ballon d'Or. Ensuite, l'avenir du football français était en sécurité, profondeur incroyable. Donc déjà, pour moi, les gars, la France est, on va dire, le pays où il y a le plus de jeunes joueurs prometteurs hein, au monde. Donc regardez toute cette liste de joueurs. Donc après, bien sûr, on peut faire qu'une équipe à 11 hein, pour l'équipe de France. Mais regardez-moi tous ces joueurs-là, les gars. Il y a des joueurs de malades, hein. Bien sûr, des Mbappé, des Moussa Dembélé, le joueur du Celtic Glasgow. Tout ça, ça va jouer en équipe de France plus tard et ça va vraiment très, très mal dans la prochaine Euro, bien sûr, ou la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est vraiment énorme, bien sûr, j'ai pas tous les citer, mais c'est vrai que la France, les gars, ça, on peut dire, il y a énormément de jeunes talents. Ensuite, plus de 700 millions investis dans le PSG et ils ne savent toujours pas ce que c'est de gagner une Ligue des Champions. Donc ça, c'est sur un site anglais que je suis allé. Donc regardez hein, toutes les années depuis que le Qatari, bien sûr, sont arrivés au PSG en, je crois, c'était en 2011. Donc regardez tout l'argent qu'ils ont mis. Donc déjà 700 millions. Donc la première année, ils avaient mis 107, 149, 135, 49, 116 et 144 l'année dernière. Donc c'est vrai, 700 millions, toujours pas gagner de Ligue des Champions. Bon, après, c'est pas qu'on met de l'argent qu'on doit gagner une Ligue des Champions. Oubliez pas que Chelsea, quand ils ont été rachetés, ils ont attendu quand même 10 ans, voilà, 10 ans pour pouvoir gagner leur première Ligue des Champions. Donc là, le PSG, ça fait 6 ans qu'ils ont été achetés. On va dire, voilà, le meilleur parcours qu'ils sont allés, c'est quand même en quart de finale. Ils sont jamais allés en demi. Dommage, hein, cette année, bien sûr, qu'ils ont pris de la merde. Mais c'est vrai que je pense à, voilà, les Nasser El Khelaifi, ils pourraient bien sûr jeter l'éponge et voilà, partir du PSG. Et ça ferait vraiment un grand manque hein, du PSG parce que je pense, si voilà, les Qataris partent du PSG, bah, toutes les gros joueurs vont partir. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé est sur le chemin de la grandeur. Donc regardez, on va comparer Mbappé et Thierry Henry à leur début à Monaco. Donc Henry, il a fait 141 matchs pour 28 buts. On va dire c'est un ratio correct hein, pour un jeune footballeur hein, qui commence sa carrière. Et Mbappé, déjà 43 matchs et déjà 16 buts. Donc voilà, il a peut-être mis un peu moins de buts, mais il a fait beaucoup moins de matchs, bien sûr, que Thierry Henry. Donc vraiment, Mbappé, pour moi, un futur crack, vraiment un futur très gros attaquant dans quelques années. Ensuite, une déclaration de Jardim. Il a dit, ce n'est pas fini, il n'y a que 2 buts de différence. On peut faire une remontada, nous aussi. Donc n'oubliez pas, ils ont perdu, on va dire, que 5-3 parce qu'ils ont quand même mis 3 buts à l'extérieur, ce qui est quand même beaucoup, hein, 3 buts à l'extérieur. Donc Monaco, voilà, ils gagnent 2-0 au match retour, ils sont qualifiés. Donc j'espère hein, bien sûr qu'ils vont passer parce que moi, voilà, maintenant je suis à tout cœur avec Monaco. J'espère qu'ils vont aller plus loin si possible à gagner, on sait jamais bien sûr avec le foot. Ensuite, pour la première fois depuis le match historique en demi-finale du mondial 2014, donc 1-7 hein, bien sûr. Donc le Brésil affrontera l'Allemagne en amical le 27-03-2018. Donc je pense hein, vraiment que le Brésil vont vouloir prendre le revanche, même si ça vaut rien entre un match amical et une demi-finale de Coupe du Monde, mais à mon avis, ils vont vouloir faire beaucoup mieux que le 7-1, ou enfin la fessée, ou bien sûr qu'ils avaient pris pendant leur mondial. Ensuite, il y a 10 ans, aujourd'hui, Lionel Messi inscrivait le premier triplé de sa carrière face au Real Madrid. Depuis, il en a inscrit 36 autres. Donc voilà, pour moi, toujours Lionel Messi, meilleur joueur de la planète. Hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Même si mercredi soir, hein, c'était pas le meilleur Barcelonais, pour moi, c'était Neymar. Mais Lionel Messi, les gars, extraterrestre. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc quel espoir voyez-vous en équipe de France en 2017. Donc n'oubliez pas, fin mars, hein, il y a France-Espagne, voilà, au Stade de France. Et entre ces
quatre joueurs là, donc Tovin, Tolisso, Bakayoko et Mbappé, lequel voudrait que Didier Deschamps, voilà, il appelle dans sa prochaine liste, hein, bien sûr, je crois la prochaine liste de Didier Deschamps, c'est le 16 mars, donc dans, vraiment dans pas longtemps. Donc voilà, vous préférez lesquels entre ces quatre là, donc moi si je devrais en prendre un, bien sûr je prendrais mon chouchou Mbappé, parce que vraiment il fait un, on va dire un début de championnat, même en Ligue des Champions il est performant, donc j'espère que Deschamps va lui donner une chance, peut-être pas il sera titulaire, mais voilà, le mettre au moins dans le groupe, après bien sûr, c'est mon point de vue. Donc voilà, la fin du Zappu Match 148, donc si ça vous a plu, un petit like, et je ferai l'épisode 149, soit demain ou soit lundi. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre, trop de haine pour 9 mètres carrés, tristesse faut pas.